Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment réaliser un bijou très facilement dans Fusion 360. Ça peut être un pendentif, des boucles d'oreilles, etc. Je vais commencer par aller chercher mon image, enfin, ma première image. Donc, je la sélectionne. Donc, je la redimensionne un petit peu. Donc, je vais mettre 3. Je vais la faire pivoter à 90 degrés, voilà, je fais OK, et là je vais aller chercher ma deuxième image. Donc la première image va me servir pour l'épaisseur de mon bijou, et l'image que je suis en train de mettre, c'est la forme de mon bijou. OK. Voilà, mes deux dessins sont mis. Donc, j'en efface un. Et je vais aller tracer le contour de mon dessin pour pouvoir l'extruder par la suite. Je vais commencer par aller faire une ligne de construction. Donc, nouveau sketch, construction. Et je vais prendre la ligne du milieu pour la faire, même si mon objet n'est pas très centré. De toute façon, je le redessine, donc ça n'est pas très grande importance. Voilà, ma ligne de construction est faite. Stop sketch. Je retourne dans sketch. Et là, je vais tracer le contour de mon objet. Donc, je me mets sur l'accroche de ma ligne de construction et je vais faire le contour seulement de la moitié de mon objet. Je prends la partie du dessus et je fais la même chose. OK. Et là, je ne fais pas finish sketch, mais je vais aller faire mirror. Je vais sélectionner les deux traits que je viens de tracer. Ensuite, je sélectionne la ligne de construction. Et je fais OK. Voilà. Donc, mon objet est formé. Donc, maintenant, je vais faire la même chose pour l'autre partie. Donc, la forme de l'objet. Donc, je refais une ligne de construction. Je prends le point central. Voilà, je monte un peu au-dessus de mon dessin. Je valide. Je reprends le point central. Je redescends en bas et je revalide. Voilà. Donc, finish sketch. Et là, je vais aller tracer le contour de la moitié de mon dessin. Terminé mon contour, donc maintenant je retourne dans Create et je vais refaire Mirror. Donc je vais resélectionner tous les traits que je viens de faire. Et ensuite je sélectionne donc ma ligne de construction et je fais OK. Voilà, là je viens de me rendre compte juste avant de faire stop sketch que j'ai oublié une ligne. Donc je vais tout simplement la retracer. Voilà.
Donc là, je fais stop sketch et toutes mes lignes sont bien tracées. Donc maintenant, je vais pouvoir aller extruder mon objet. Donc je vais prendre la forme de l'objet et je vais sélectionner l'intérieur de l'objet. Donc ce que j'ai sélectionné en bleu. Donc je me mets en symétrique et je fais New Body. OK. Donc je vais éteindre mon body. Je vais sélectionner mon deuxième objet pour l'extruder à son tour. Je sélectionne les deux parties. Je vais rallumer mon body. Et là, je vais choisir intersect et toujours symétrique. Donc, ce qui va couper mon objet. OK. Voilà, mon objet est terminé. Je vais aller éteindre mes canevas et mes sketchs. Il ne me reste que mon body. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez me laisser un pouce bleu, vous abonner si vous en avez envie. Et je vous dis à la prochaine !